Salut la compagnie CX Rouge et on se retrouve sur jeuxvideolive.fr pour la vidéo test de Dynasty Warrior 8. Voilà, un nouveau site sur lequel je vais faire des vidéos. Donc voilà, un gros remerciement à eux. Voilà. Donc commençons de suite avec ce test pour inaugurer mes vidéos chez eux. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, de Dynasty Warrior 8. C'est un jeu, bon, vous le savez tous, édité par Tecmo Koei, développé par Omega Force. Voilà, comme d'habitude, on les connaît bien. Et à savoir qu'ils attaquent bien pour la période des vacances d'été de 2013, parce que voilà, avec le Dynasty Warrior 8, One Piece Pirate Warriors 2 qui arrive en août, voilà, Omega Force se fait entendre, quoi, voilà, bien sympa. Dynasty Warrior 8, qu'est-ce que c'est? C'est un beat'em all, voilà, sorti du jeu le 18 juillet 2013. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, le menu il change un peu, enfin même grandement par rapport à ses 7 prédécesseurs. Enfin, je dis 7 si je ne compte pas les Empires et les Extrêmes Légendes, qui sont aussi des opus qui suivent normalement les opus de la saga. Donc voilà, sinon on en arrive à plusieurs Dynasty Warriors à compter de ce jour. Voilà. Le jeu donc sort sur console next-gen et nous pouvons retrouver bien sûr les 4 clans. Oui, enfin je dis 4, je ne compte pas les autres, mais le nouveau clan, les Jin, qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu nous propose donc un mode histoire, vous l'aurez compris, on suit à nouveau l'histoire. Bon, ça se répète. Sans arrêt, hein, c'est toujours le mode histoire parce que l'on revit les gros moments des 4 royaumes. Nous avons le mode libre toujours présent. D'ailleurs, il faudra savoir que le mode libre nous propose, bon, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs avec un mode en ligne et hors ligne, bien entendu. Vous pouvez le voir maintenant. Vous avez aussi maintenant le mode ambition. Donc voilà, il remplace un peu le style là, de mode conquête qu'on avait dans Dynasty Warrior 7. Vous savez, quand il y avait la grosse carte où est-ce qu'il fallait conquérir toute la Chine durant la dynastie Han, entre 150 et 320 à peu près. C'est un jeu franchement qui nous fait bien réviser nos classiques. Hein. On devient limite incollable sur la dynastie Han de la vieille Chine. C'est assez sympa. Le mode ambition, ça consiste à quoi? C'est, on va dire, une sorte de mode solo pour un seul personnage en particulier. On le choisit et on fera plusieurs quêtes annexes en fait pour essayer d'augmenter le royaume dans lequel on vit. En fait, voilà, c'est un peu un style de gestion. C'est assez sympathique. Hein. Mais bon, on va s'attaquer sur le mode libre. Je ne ferai pas le mode histoire pour ne pas faire trop de spoil. Voilà. Le mode libre, donc voilà, ça se C'est comme les anciennes dynasties, il suffit dans le mode histoire d'avoir rencontré un des personnages jouables de la série pour qu'il soit disponible en mode libre. Les champs de guerre, les différents battlefields qu'on a eu au cours du mode solo s'affichent sur le mode libre une fois qu'on les a faits. Donc voilà, tout arrive au fur et à mesure. Donc voilà, pour débloquer les personnages, vous savez ce qui vous attend. Voilà, il faut forcément continuer, pousser dans le jeu pour pouvoir débloquer un maximum de choses. Alors, je vais faire quoi comme contrée? Ouais, peut-être, je sais pas. Promesse de G. Non, allez. Yuksuku, allez, c'est parti. Donc. Ouais! Je l'ai terminé en débutant. Oui, bon, vous. Oui, bon, vous savez, je suis pas un gros amateur de difficultés. Mais bon, allez, pour le plaisir de tout, je vais le faire en normal quand même. Je vous ai dit, pour moi, la facilité, bon bref, voilà, c'est un petit peu ce que je recherche, mais je trouve que voilà, quand on est un mode trop facile, enfin trop difficile, pardon, dans un beat'em all, vous allez forcément taper, taper, retaper jusqu'à que le mec crève. À la limite, voilà, il n'y a plus aucune touche de réalisme, quoi. Voilà, je préfère encore vraiment baisser la difficulté pour qu'il re se reçoive que 2-3 coups d'épée dans la gueule, et là, normalement, il meurt. Si on se met en mode très difficile, le mec, il lui faut limite 500 coups d'épée avant de le crever, c'est impossible, quoi. Donc, enfin, bref. Je vais prendre du coup. Ouais, bon, là, j'allais prendre Joyu, qui est mon personnage préféré. Voilà, c'est celui avec qui j'ai grandi et avec lequel je regrette amèrement que son gameplay avec le sabre de l'ancien ben, soit été effacé du jeu. Bien dommage, voilà, ils l'ont remplacé par un PD de bâton.
Pardonnez-moi l'expression. Bon, enfin, pour vous montrer un petit peu la beauté du jeu, je vais prendre Zutai qui est mon personnage secondaire. Oui, voilà, je suis vraiment un fan des Wu. En parlant des Wu, voilà, vous avez aussi les Wei, donc du coup, l'empire qui est dirigé par Cao Cao, ici présent. Vous avez les Wu, les Shu, comme je vous en ai parlé, les Jin qui sont présents, et la catégorie autre, bon, qu'on me fait zapper d'un coup parce que je n'ai débloqué aucun personnage, pardon. Donc je vais prendre Zutai pour ce mode solo. Nous pouvons donc du coup choisir maintenant les talents. Voilà, ça se fait comme ça. Vous avez donc différentes parties pour les talents en fait à équiper. Vous avez l'augmentation des capacités, les talents des lames, autrement dit on choisit pour les armes, etc. Après c'est directement des capacités supplémentaires sur les armes pour que ce soit encore meilleur. Les talents, voilà, en javelot, en projectile, armes spéciales, vous voyez, voilà, tout ce qu'il y a. Bon, là, je vais m'attarder sur les capacités uniquement parce que je n'ai que ça. Je vais lui mettre un bonus de santé. Donc, les bonus, les capacités, peu importe que ce soit bonus ou autre, s'augmentent quand on tue les gens. Voilà, ça s'upgrade automatiquement pour notre personnage. Je vais lui mettre autodidacte, voilà, confère un bonus d'expérience reçue, vous le voyez. Je vais lui mettre un bonus d'attaque et un bonus défensif. Voilà, de défense. Ça c'est fait. Choix des armes. Donc on les récupère au fur et à mesure du jeu. Ce qui est vraiment sympa, c'est que les armes maintenant sont visibles dans le jeu. C'est si on voit la caisse d'armes qui est directement lâchée une fois qu'on a tué un général adverse. Eh bien, une fois qu'on y passe dessus, on voit le nom que c'est, la catégorie d'armes que c'est. Il n'y a pas juste écrit nouvelle arme. C'est simple, on sait déjà après qu'est-ce qu'il faut faire. Arme numéro 1. Depuis quand Zutai est avec un bâton? Ça se voit que j'ai joué Joyeux juste avant. On va lui mettre son joli katana. Arme Aigs, voilà. L'Aigs, ça reste toujours. Voilà, c'est la petite nouveauté depuis Dynasty Warrior 6 ou 7, je sais plus. Bon, enfin, de ces deux en tout cas, c'est autrement dit l'arme spéciale, c'est laquelle l'arme qui sera présente lorsqu'il fera son Muzu et avec laquelle il fera les meilleurs enchaînements. Donc voilà, je préciserai l'ex pendant le jeu, vous comprendrez. Arme 2, oui, on peut choisir de toute façon sa seconde arme. Qu'est-ce que je veux prendre? Franchement, j'en ai rien à faire. Non, je vais m'attarder que sur la première arme. Voilà, commencer la bataille. Donc comme je vous ai dit, voilà, l'arme Aigs, c'est l'arme principale du personnage. C'est avec laquelle il va pouvoir faire les plus gros combos, en fait, parce que voilà, sinon ils tapent généralement tous de la même façon avec une arme qu'ils ne savent pas manier. Les touches sont toujours les mêmes, croix pour sauter, rond pour activer son Muzu, Muzu qui est le coup spécial, je précise, désolé, je l'avais pas dit avant. Carré sont les coups en enchaînement, triangle les coups un petit peu plus puissants mais courts. Si on peut. On peut faire des combos entre carré et triangle, tout dépend le nombre de fois qu'on le fait. Deux coups de carré, un coup de triangle, trois coups de carré, un coup de triangle. Pour Zutai, si je me souviens bien, son attaque Aigs, donc du coup avec son katana, car c'est un personnage qui lui dirige le katana, c'est deux fois carré, deux fois triangle, si je me souviens bien. Je vais le faire de suite, de toute façon. Il fallait que je démarre la bataille, je sais pas pourquoi j'ai pas appuyé sur croix plus tôt. S'il faut, le chargement il était pas encore. Enfin bref. Donc voilà, on va voir ça de suite. Les différences, enfin il y a deux trois petits trucs. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est le moment où est-ce que Sun Tse se fait ensorceler. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Sun Tse qui est le fils de Sun Jian qui est au début du jeu l'actuel chef empereur du clan des Wu. Va laisser le trône à son fils, c'est lui, voilà. Et il s'agit de l'épisode où est-ce que ben, il va perdre la vie et passer le couronnement de l'Empire à son petit frère, en fait. Voilà, il s'agit de Sun Quan. Bon, je vais passer l'événement. Voilà, autant me regarder bien une bonne phase de gameplay. Donc on est dans une forêt ensorcelée parce qu'il y a un mage à la con qui nous a attaqué. Donc voilà. C'est la première fois là déjà enfin, que je dirige Zutai dans Dynasty Warrior 8, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais essayer de faire son attaque pour voir s'il l'a toujours gardé. Oui, magnifique. C'est super beau ce qu'il fait. J'adore, il fait des jolis traits dans le ciel. Bon, d'habitude, on voyait des coups de lame qui traversaient le ciel de couleur bleue. Bon, là, à ce que je vois, c'est rouge en fait. Je vais essayer de le refaire pour vous le montrer. La mini-carte qui est en haut à gauche, vous voyez, je suis la petite flèche qui est en haut à droite de la mini-map. La pointe de la flèche représente ma tête, donc la direction que je prends
dans le background. La petite barre moitié rouge, moitié bleue, c'est l'avantage, le moral des troupes. En fait, voilà, plus elle va vers la gauche, pour nous, c'est mauvais. Autrement dit, plus le rouge est maître dans la barre, en fait, voilà, plus il se propage, ben, moins c'est bon pour nous, et inversement. Donc, oui, je vous ai dit que j'aimerais bien montrer les coups rouges qu'il fait. Ok, bon, si les archers veulent bien me laisser taper, enculé, voilà. Ouais, y a que des traits rouges en fait. Bon, bon, c'est pas grave, mais bon, ça c'est joli. Donc, le musou, c'est la barre jaune qui est en bas de ma vie à gauche. J'en ai deux barres qui sont complétées, ce sont les barres jaunes. La barre vert, mélange vert-turquoise, eh bien, c'est tout simplement ma vie. Vous voyez qu'il y a le katana qui était. Enfin, coloris en bleu, je peux changer d'arme en plein milieu de jeu pour passer dans un autre style de gameplay avec une autre épée. Bon, je préfère le katana pour du taille, hein, c'est pour ça que je le prends. Et je vais faire mon musou, mon attaque spéciale pour vous la montrer, qui est assez sympa. Il y a pas mal de monde. Bon, allez, je le fais ici. Il me donne juste un coup, et voilà, ok, c'est bon, ça en charge. L'arme est trop rapide, le samouraï des temps anciens. C'est assez sympa. Oui, j'allais vous dire au début, quand on récupère des bonus, que ce soit de la protection, voilà, parce qu'il y a différents bonus, de la protection, nous avons, autrement dit, pendant 30 secondes, les coups sont diminués, enfin, ce que l'on reçoit, ça s'atténue énormément. Après, si on récupère la hache là qui est devant, voilà, je viens de la prendre, mon katana est devenu rouge feu, donc du coup mes dégâts sont augmentés d'un certain pourcentage pendant 30 secondes. Donc voilà, on le voyait avec certaines couleurs qui apparaissaient sur le personnage. Et il y a aussi des bottes à avoir par terre, et généralement on est recouvert de bleu. Or voilà, ça c'est la petite modification quand on drop des bottes par terre. On ne nous voit pas en bleu, donc on ne sait pas combien de temps il nous reste parce que les secondes ne sont pas affichées non plus. Voilà, c'est un petit peu perturbant, mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on peut. Pour ceux qui se posaient la question, il y a eu beaucoup de questions disant est-ce que le jeu va être mis en VF comme les anciens Dynasty Warriors? Bon, les gens, le dernier VF de Dynasty Warriors remonte à Dynasty Warriors 4. Depuis, ils n'ont plus fait de sous-titres. C'est bien dommage parce qu'il est vrai que moi, qui étais un gros fan de Joyou, la voix française de Joyou était tout simplement magnifique. Et pourtant, je chipote un peu au niveau des voix françaises. Vous me connaissez, je fais souvent des allusions au VF dans les jeux. Voilà, je regrette un peu. Bon, le sous-titre reste en français, les voix en anglais. On peut sélectionner japonais dans les options pour les gros fans de manga, culture nippon, etc. Voilà, les fans seront bien servis. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien qu'il y ait au moins un commandant, quoi, parce que j'ai claqué un musou pour rien, manière de vous le montrer, c'est un petit peu chiant. Bon, tant pis. Vous voyez le nombre de KO qui s'affiche, voilà, au fur et à mesure, en bas à droite de mon écran. Comme je vous ai dit, bon, c'est souvent répétitif, si vous n'avez pas l'habitude d'un Dynasty Warrior, il s'agit d'un beat'em all, comme je l'ai dit, donc voilà, beat'em all, tout est dans le titre, voilà, il faut en gros tout taper, tout éclater. Donc voilà, c'est souvent répétitif, mais bon, c'est ce qui nous fait un joli Dynasty Warrior. Pour celui-là, j'ai été quand même un petit peu surpris de la qualité graphique de ce jeu. C'est un nouveau moteur graphique, j'ai l'impression, parce que bon, même s'il s'agit des mêmes développeurs et éditeurs, je suis assez sceptique devant cette qualité graphique. Bon, après, non, finalement, elle ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, j'ai été étonné en voyant ça. Parce qu'on avait un Dynasty Warrior 7 assez coloré. Et là, on se retrouve avec un Dynasty Warrior plus terne. Enfin, voilà. Mais comment vous dire? C'est un mal pour un bien. Je trouve qu'il fait plus réaliste comme ça. C'est assez sympa. Donc voilà. C'est cette brume tout autour me casse vraiment les couilles, désolé. Donc il me tarde d'arriver. Ouais, voilà. Vous voyez le petit carré vert qui arrête pas de clignoter. J'ai deux commandants devant moi, je vais lâcher un musou sur eux. Là. Voilà, le petit carré vert, c'est là où est-ce que je dois me rendre. Je vais quitter en fait cette forêt un peu arbre, quoi. Voilà. Et ça me permettra après d'aller tuer le boss final pour ainsi terminer ma vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, certes. C'est assez répétitif, mais bon, un Dynasty Warrior, de toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. Si les Dynasty Warriors marchent toujours autant aujourd'hui, c'est que l'histoire, on s'y attache vraiment. On aime retrouver nos personnages, on aime revivre ce qu'ils ont vécu, même si l'histoire, on la vit et revit depuis maintenant 8 épisodes.
Certes, des modifications de skin ont été changées, ont apparu avec le temps. Sun Jian, par exemple, voilà, a eu des cheveux blancs, vieilli par le temps. Enfin voilà, des nouveaux costumes qui apparaissent. J'en reviens encore à parler de Jouyou. Bon, ça, oui, c'est mon personnage préféré, je sais. Bon, pour tous ceux qui sont fans des Wei, etc., je suis désolé de pas trop en parler, les Shu non plus, etc. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, je trouve que le skin de. Comment ça s'appelle? De Jouyou dans l'ancienne Advance Wars 7, c'est limite si c'était un matador. Un matador un peu j'ai rien contre, hein, mais un peu homosexuel sur les bords. Vraiment le truc méga moulant, le mec l'affirme bien, attention quoi. Déjà qu'il n'avait pas une voix très portée sur la guerre, il parle toujours très calmement et même avec une voix assez aiguë, c'est limite si on se doutait de ses préférences à Jouyou. C'est un peu dommage. La barre que j'ai à côté de Zutai, voilà, c'est pour ça que j'attends à ne pas taper le boss pour vous l'expliquer, notre il me court après. Vous voyez en bas à gauche, c'est une barre qui clignote, ça nous active une sorte de transe. Plus on tape, plus cette barre augmente, et notre Mewtwo n'en est que plus dévastateur. La vitesse est augmentée, les dégâts font encore plus mal, c'est assez sympa. Je l'active, voilà. Vous avez dû sûrement le connaître dans les anciens. Bon, là on peut l'activer directement, il se gagne directement avec le temps, on n'est pas obligé de récupérer des objets. Pour pouvoir se l'activer. Et là j'ai fait mon nouveau musou, au moins comme ça je peux vous montrer, même s'il est mort. Bon, il avait été en l'air le pauvre, mais bon. Bon, ça y est, je l'ai défoncé. Ah, super. Donc voilà. Je vous rappelle, de gauche à droite, Sun Quan, Sun Se, Jouyou et Zutai. Voilà. Ça a coupé pendant que je le citais. Donc voilà, et là on voit la fameuse nouvelle mort de Sun Tse, parce que dans les Dynasty Warriors 7, on le voit arriver avec diverses flèches dans le dos, ou comme son père. Or là, eh bien, il se fait planter le foie gras par un katana. Voilà, Zutai qui intervient, mais bon, comme c'est un soldat fantôme dirigé par un mage, ben voilà, c'est un peu pour rien, quoi, c'est un coup de nez dans le vent. Enfin voilà, c'est comme ça que meurt Sun Tse, quoi, voilà. J'ai pas non plus envie de tout vous montrer parce que voilà, ça reste quand même, voilà, c'est un peu du spoil quoi. Enfin, là, Sun Tse est encore présent, mais il va perdre de la vie au fur et à mesure du jeu. Et il faut que j'aille tuer le boss final, enfin, le boss final, le boss pour mettre fin à la séquence qui se déroule ici même. Donc, qu'est-ce que je. Il faut que j'aille. Oui, je sais qu'on se sépare, il faut que je suive un certain itinéraire moi. Zutaï et moi, ils trouvent des Kaokao. Ouais. Elles sont. Ben voilà. De toute façon, c'est indiqué sur la carte. Bien sûr, Orior, vous le savez, vous ne pouvez pas vous perdre. Ah voilà, les petites bottes. Vous voyez, il n'est pas bleu autour. De temps en temps, il y a quelques flashs bleus qui sont derrière lui. Voilà, vous l'avez vu. Voilà, j'ai fait exprès de m'arrêter pour vous le montrer. Ah, faut que j'aille là-bas. Apparemment. Mais le pont va être levé. Voilà. Et il y a un Wei qui va nous attaquer. C'est sympa. Mon Dieu! Ça c'est les tours de magie à la Dynasty Warrior. Vous savez, il y a 36 000 gars qui apparaissent devant vous là, alors que vous avez couru pendant je sais pas combien de mètres, il n'y avait personne. Et là, d'un coup, vous avez un raz-de-marée d'ennemis qui arrive. Hop là, voilà. Xeo Yuan là, il va un petit peu bouffer ses morts, lui. Je vais essayer de l'enchaîner quand même. Oui, voilà. Il suffit que je le dise pour le chier, mais bon, c'est pas grave. Purée, mais il me contraint d'enfoiré. Et j'avais envie de récupérer un beignet vapeur. Ça redonne un peu de vie, c'est sympa. Bon, allez, tu vas crever, toi. Voilà. Les gros coups de bâtard. Les coups de musou bien dans le dos, là. Voilà, allez, on continue. Voilà. C'est bon, t'es mort? Allez, bah, dis donc. Putain, je crois, toi. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, dans le monde normal, oui, ça, vous allez me dire, oui, c'est un bidémol, on adore taper, etc. Mais bon, voilà, je préfère avoir un mode plutôt simple. Pour pouvoir que ce soit plus réaliste, parce que vous avez vu tous les coups de katana qui s'est pris. Attends, je veux pas dire, mais bon. C'était quoi à l'époque, quoi? Sun Jian est mort, Sun Tse est encore présent, il meurt en combien? En l'an 300, je crois, si je me souviens bien. Eh ben dis donc, c'est lent ici. Ah ben voilà, bien, bravo. Je pense pas qu'à cette époque, les armures soient si efficaces que celles que nous avons aujourd'hui. Enfin, je parle d'armure, on n'a même plus d'armure de nos jours, mais bon voilà. Je pense pas qu'elles étaient si efficaces contre les coups de lame, parce que certes, autant on pouvait douter de la protection que pouvaient nous offrir les tenues de l'ancien temps, autant voilà, ne pas douter de la qualité des armes qu'il y avait dans l'ancienne Chine, quoi. Ce sont un petit peu les inventeurs de tout ce qui est
le sabre, enfin tout ce qui est arme blanche, quoi. Donc voilà, ils sont un peu professionnels pour ça, ils sont encore reconnus de nos jours là-dedans, c'est le pays icône de l'arme blanche, donc voilà, quand même, c'est un peu contradictoire tout ça. 500 tués, magnifique. Bon, j'aimerais bien que mon museau arrive, donc je vais essayer de taper du mec, voilà, du pauvre qui a rien demandé, parce que là, j'ai trois mecs derrière moi. Enculé! C'est abusé! En plus, j'ai bientôt ma. Eh ben voilà! Hop! Voilà, j'ai bientôt ma transe, voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, transe, moi je l'appelle comme ça, parce que ça me fait penser à la transe. Je fais référence à Final Fantasy. Bon, mais voilà, hop, là il y a une arme, vous voyez, arme obtenue, vous le voyez au-dessus à gauche, on voit l'arme et on voit à quelle catégorie c'est, donc on peut même s'équiper d'autres armes en plein milieu du jeu. C'est pour ça que c'est assez sympa, on sait déjà si on a récolté un bon truc. Je me suis pris un coup de tête du cheval dans la gueule, c'est abusé parce que j'ai mangé. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Une autre arme. Attention. Oh ouais, magnifique! Voilà, ça c'est encore une autre attaque qu'on fait, c'est nos attaques eggs, si on l'a fait sur le boss de fin, enfin ceux qui ont cette fumée rouge un peu autour, ça montre qu'en fait c'est un personnage qui est plus puissant que nous, qui a une certaine importance, et bien de faire une attaque eggs, elle change en fait uniquement sur ce genre de personnage. J'avais fait le mode solo du coup, encore une fois, parce que j'arrive contre Teishitsi et avec Jolyu, il n'a pas arrêté de me taper, il a dû lui mettre un 40 coups de bâton avant qu'il puisse retomber au sol. C'était assez sympa. Donc voilà, franchement, il y a des petites nouveautés. Voilà, comme je vous l'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin qui gagne, je parle brèvement. Bon, les Dynasty Warriors n'ont jamais eu de grosses notes faramineuses, mais voilà, là, il n'y a pas encore de test présent à ce jour. D'après les lecteurs, voilà, la note moyenne que leur donnent les lecteurs, je sais que ce n'est pas très représentatif parce qu'il y a beaucoup de généreux parmi les lecteurs, tant mieux, heureusement, hein. Parce que si on a que des mecs qui ragent au niveau de la note, voilà, pour s'exciter sur le jeu, voilà, ça n'en est pas sorti, tant mieux. Bon voilà, la note moyenne est donnée à peu près de 17 sur 20 pour à peu près pour 2-3 sites de jeux que j'ai vus. Bon, toi tu commences vraiment à me casser les couilles. Voilà, bouffe-toi tout ça. Allez, bouffe. Bam. Blech. Quel enchaînement, magnifique. Donc voilà, bon, je sais qu'il n'aura pas 17. Parce que, bon, voilà, généralement, ils ont tous. Voilà, ils ont pas plus de 14, généralement. Je parle d'à peu près tous les Dynasty Warriors que j'ai pu voir, du 1 jusqu'au 8ème. Donc voilà, bon, je pense quand même. Je pense une bonne note quand même, parce qu'il est quand même, ça se voit quand même qu'il est travaillé, on n'a pas fait les feignants chez Omega, quoi. D'ailleurs, c'est pas non plus leur style, quoi. Ils sont surtout là pour nous procurer du fun, et ils sont bien forts dans ce domaine, c'est assez sympa. Je fais référence forcément au One Piece premier du nom qui est sorti sur Play 3 aussi, et le 2 qui arrive bientôt. Et voilà, encore une épée qui a été obtenue, des épées. Il faut que j'aille où? Il a l'air un mal en point là, mon capitaine, peut-être? Non? Bon, allez, je vais aller directement éclater le boss de fin. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, non, voilà, ils savent le faire, quoi. Le One Piece, franchement, m'a bien plu. Et les anciens Dynasty Warriors, moi, j'ai grandi avec. Par contre, non, j'ai pas joué énormément au 6, parce que j'avais tellement été déçu que le gameplay du sabre de lancer pour Joyo avait été enlevé, que j'ai revendu le jeu de suite après. Et finalement, un peu de mélancolie, je me dis, putain, non, je peux pas laisser un jeu comme ça, voilà, j'ai passé mon enfance, voilà, mon enfance ça se résume à enfin, pas mal de jeux, mais bon, voilà, d'autres qui m'ont plus marqué, voilà, enfin, les Crash, les Medieval, tout ça, et les premiers Dynasty Warriors qui sont sortis sur les premières consoles aussi, voilà, ça en a fait partie, j'étais petit à ce moment-là, voilà, ça m'avait bien marqué, j'ai passé de très bons moments dessus, et donc voilà, c'est vraiment voilà, un jeu pas prise de tête. Un jeu tranquille qui va pas vous demander de cogiter énormément. Je n'ai pas vu dans les différentes zones si nous avons encore des érudits qui nous posent diverses questions pour gagner deux, trois petits trucs. Ils nous posent des questions sur le jeu pour tester notre culture générale sur l'Empire, sur la dynastie Han. Je n'en ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire hein, s'il faut maintenant, c'est un jeu qui vous demande de réfléchir ou pas. Bon, là, il m'énerve encore un peu. Donc, on va réactiver la super transe, là. Hop là, et hop là. Voilà.
Vas-y, Zouzou, éclate-les. Mon dieu, ce monde. C'est limite si ça en fait bugger l'écran. Magnifique, magnifique. Hop là, encore des armes, comme si ça ne suffisait pas. Oh, limite, je peux caler mon attaque Eggs, ça doit être super joli là-dedans. Attention. Mon dieu. Ah, le bordel, c'est un truc de fou. Animal obtenu. Ah, cool, ça c'est sympa. C'est plutôt, en fait, bon, c'est pas rare, mais c'est pas courant non plus, donc c'est assez sympa quand on l'obtient. Bon, l'autre il me donne des coups de massue, je termine avec le premier, j'arrive avec toi là, j'arrive avec ton tour. Bon, je le finis ou pas? Oui. Bon, parce qu'il y en a un autre qui a un point d'exclamation. Généralement, voilà, maintenant les généraux sont marqués par des points d'exclamation, c'est ceux qu'il faut vraiment quand même éclater pour continuer dans le jeu, en fait, voilà, parce que sinon ils vont vous retenir, il y a quelque chose qui va manquer dans le scénar. Voilà, vous aurez compris, voilà, ce sont des généraux, est-ce qu'il faut forcément passer, quoi. Bon, mais il est bientôt mort. Oh mon dieu! Encore un duel! Bon, c'est bon, je l'ai gagné. Bon, voilà, pendant un certain temps. Oh, bâtard! et pendant un certain temps, voilà, vous devez appuyer à forte fréquence et de façon répétée sur la touche carré pour pouvoir gagner un duel de lame à lame. Bon, voilà, ça reste toujours là-dedans. 900 et quelques KO, c'est magnifique. Bon, d'habitude, bon, on arrive facilement aux 1000, vous en faites pas, hein, c'est pas impressionnant. Et ceux qui connaissent Dynasty Warrior vont se dire, oh oui, en effet, c'est pas rare du tout, quoi. Ah oui, je sais que maintenant on peut sauter et attaquer en même temps, et il fait des super trucs apparemment. Voilà, bon, il plante. Il m'énerve encore une fois. Voilà, bouffe-toi ça! C'est bon, vous êtes retombé? Non, encore. Et rebouffe-toi le museau! Voilà! Merci. Alors là, maintenant, c'est la foire aux loots. On récupère tout au sol. Voilà. C'est bon. Qui c'est qu'il y a? Oh, il y a encore un con là-bas. Oh, vas-y. Gros museau dans ta gueule! Ok, je l'ai raté. Oui, en effet, je l'ai raté. Et mais. Bordel de. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça y est, t'es mort? Oui, magnifique. Hop là, je récupère une arme. Le bâton de combat, c'est sympa pour Joyou, c'est cool. Allez, bon, qu'on termine à éclater tout ça et qu'on voit Isumse se crever. Et puis ce sera terminé, voilà. Donc, je ne sais pas, moi, ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi-le, ou plutôt, bien entendu. Mais bon, comme je vous dis, c'est vraiment, voilà, ça reste un jeu qui n'est pas prise de tête, qui continue quand même à être travaillé, malgré les nombreux, enfin pas malgré, heureusement, avec tous les scénars qu'ils ont pu avoir, tous les opus supplémentaires, bah c'est vachement cool de continuer à travailler un jeu, voilà, qui normalement, voilà, n'a pas fait l'unanimité, mais voilà, qui reste dans le cœur de certains fans de la série, des jeux manga et autres. Voilà. Je sais pas, est-ce que je vous laisse le moment Non, non, ouais, non, je vous ai dit, j'ai pas envie de faire du spoil, donc voilà, je ne vais pas vous montrer la façon dont il crève, parce que voilà, comme vous l'avez pu le voir, il est toujours présent. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère du coup que ma vidéo vous a plu. C'était la présentation de Dynasty Warrior 8, et sur ce, donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à ciao tout le monde!